Je laisse ouvert la première semaine. Bonjour. Et la dernière semaine. Quand même. Hop, deux minutes. Je vous remercie d'être venu assister à la fin d'un travailleur.
Qui sait ce que c'est que les Maïchans? Depuis 1970 jusqu'à maintenant, j'ai occupé les chevaux, vous avez été bons grâce à moi. Et bien, ça risque de changer. C'est vrai que la nouvelle qui va arriver est meilleure, non? Ça va vous surprendre, elle a plus d'éléments que moi quand même à faire valoir. Mais enfin, je vous souhaite à tous toujours encore une bonne retraite, à continuer comme moi. Je vais essayer d'aller aussi loin que vous dans, la, dans cette retraite. Alors, un grand merci à tout le monde d'être venu déjà à cette soirée. Et je remercie aussi mon cher patron Hervé, que j'ai quand même réussi à le dresser, à la boire à l'alcool, tout ça. Ça l'a changé du début. À l'époque, il devait du Coca-Cola. C'est lui qui t'a dit. C'est vrai. Quand je suis arrivé, j'étais jeune et beau. Et je suis parti, je suis gros et moche. À sa faute. Non, je voulais dire que j'ai passé 25 ans avec Jean-Luc. Lui, ça fait quand même 37 ans qu'il est là, avec le commerce. Et on a passé des moments que je crois que, ben, malheureusement, c'est. Enfin, j'espère que la prochaine qui sera derrière moi, qui normalement fait pour moi, sera en septembre. Ça va faire mix, ça sera peut-être pas mal. Mais je crois que ce côté homme qu'il y avait, comme il y avait dans le village, malheureusement, ça va se perdre. Et j'aurais aimé trouver quelqu'un, un homme qui fasse. Enfin, la suite comme on était, mais ça a été difficile. Parce qu'on a passé des moments, et mon ami le caméraman qui est là, il est passé pour le savoir, parce qu'il y a eu des anecdotes dans ce salon, que mon pauvre, on pourrait écrire un livre et partir à quatre pattes et pleurer toute une journée. Quoi. Ça a été mémorable. Hein. Et hors du voilà. Salon d'ailleurs. Et franchement, ben, moi Jean-Luc, c'est pas un ouvrier, pour moi c'est un ami. Et on a passé des moments ensemble quand ben, je l'ai connu quand avant qu'il connaisse Hélène, parce que. On était en déboire tous les deux, on était super à l'époque. On ne va pas rentrer dans les détails. Pas des détails. Mais on a des souvenirs qui sont mémorables. Et notamment au Mouton. Je ne veux pas savoir. Détends-toi. Voilà. Ouais. Il va trop parler maintenant. Allez, merci à tout le monde. Et je vous signale qu'il y aura un autre pot pour présenter la nouvelle propriétaire. On va le dire, on essaiera d'être là. Il y a 4 ans, on va faire à C'est le mamé, j'ai filmé le mamé. Tu n'as pas les droits. Ben j'ai dit, la chaleur, on en a marre. Et là, je me dis, ma grand-mère et ma mère, elles le faisaient. Parce qu'avant, nous, on allait pas. On faisait les gars. Ma maman, elle avait 14 ans. Et sa nièce, elle avait sa maman. Et là c'était la maison familiale où il y a la mamie qui est là. C'est intéressant ce que tu dis. Elle est là, elle a été suivie, elle est là, elle avait beaucoup de films là. Je vais quand même la remercier, la star, la cuisinière en chef, pour la préparer tout ça, sous les conseils du patron. Il a fallu que je lui donne le droit. Oui, oui. Je te fais un gros bisou. Ah, oh. Ça va finir, je vais enregistrer. Hein.
Ah, moi, pas je ne sais pas. Oui, je t'ai dit, moi. Oui. Eh, ma chimie. Ouais. Alors, tu veux te finir ? Oui.